La quête de la vérité a été depuis toujours l'aventure la plus grande à mener. Entre mythe et réalité, on se retrouve bouleversé par les surprises frappantes que nous réservent les nouvelles recherches. Ça vous dit de rencontrer de très près la facette cachée de l'histoire. Tenez-vous prêt alors, vous êtes sur le point de découvrir les cas les plus mystérieux relevant de l'histoire interdite. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à faire un petit like et à s'abonner à notre chaîne. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur la description pour consulter les sources de nos informations. Numéro 1, Edward Darley, MS 2874. Du non-sens absolu cachait bien des découvertes qui nous ont fait perdre le bon sens. Le pouvoir de la lettre est incontestable et ce cas ne fait que confirmer ses propos. Issu d'une famille noble et aristocrate, Edward Darley est connu comme étant le comte de Oxford et de Mortimer. Cependant, malgré son pouvoir et sa position hiérarchique, il n'a jamais sacrifié sa passion. Darley était passionné comme son père d'ailleurs, par la collection. Grand fan de l'art, de la culture et fidèle à son profil d'intellectuel, il collectionnait les pièces de monnaie. Les pièces antiques, les médailles et surtout les livres pour orner à la moindre occasion la bibliothèque qu'il avait héritée de son paternel. Aussi passionné par la recherche que par la collection, le comte a réussi à l'aide de ses employés à immortaliser les informations extravagantes issues de très grandes recherches et investigations à l'étranger, à travers de nombreux manuscrits. Après son décès, son héritage en manuscrits a été vendu au musée British Museum, en contrepartie d'une fortune. Parmi les nombreuses pages, une d'entre elles était particulièrement bizarre et arrivait toujours à semer le doute dans l'esprit des chercheurs. Un manuscrit intitulé MS 2874, qui au début n'était pas jugé à sa juste valeur, à cause de son absurdité. Un manuscrit qui pendant de nombreuses années n'a été rien de plus qu'une combinaison de lettres dépourvues de sens. Un pur charabia. Ce n'est qu'en 1808 que les experts ont réussi à lui faire changer d'image, et ainsi le classer parmi les bréviaires, un livre contenant des formules de prière. Deux siècles se sont écoulés avant d'arriver sur la bonne piste. En 2019, les chercheurs et les experts du musée ont finalement pu se rattraper et révéler la vérité au grand jour. En effet, il ne s'agissait surtout pas d'un bréviaire, mais plutôt d'un manuel d'exorcisme. Ce qu'on qualifiait de charabia était bel et bien un langage codé et secret afin d'éviter aux personnes malveillantes de s'en servir pour incarner le mal. Pour le déchiffrer, on procède alors au remplacement des voyelles par les lettres qui les suivent dans l'alphabet. En suivant cette méthode pour décoder le contenu du manuscrit et en exploitant la bonne connaissance du latin, les experts sont arrivés à donner enfin un sens au titre, qui a été jugé pour une longue période comme étant une expression absurde, une combinaison de lettres hasardeuse. La surprise a fait bouleverser les esprits. Numéro 2, l'exorcisme de Martha Brossier, entre une rencontre avec le paranormal et les crises d'un esprit troublé. On plonge encore dans le monde du surnaturel, et cette fois-ci avec la célèbre Martha Brossier. Une histoire qui a fait inspirer les grandes réalisations cinématiques, une histoire qui a fait les grands titres des documentaires. Mariant horreur, mystère et paradoxe. Le cas qui date du XVIe siècle mérite bien d'être en tête de liste des cas les plus mystérieux de l'histoire cachée. Martha avait cette réputation de fille réservée, mais qui en atteignant la vingtaine a commencé à manifester son esprit tordu, en changeant la voix, en roulant les yeux, en pliant la langue, en parlant la bouche fermée et gardant une expression de marbre face à la douleur. Martha a réussi à être à l'origine de plusieurs théories de superstition et de présence démoniaque. Encore plus bouleversant que ses comportements bestiaux, et malgré sa force surhumaine et ses crises paranormales, les parents de Martha n'ont pas hésité à faire éclater au grand jour le quotidien terrifiant de leur fille. Et même à l'exposer, en faisant d'elle le sujet d'un spectacle où se rassemblent différents spectateurs rongés par la curiosité. La jeune Martha animait intentionnellement ou pas un show qui a attiré un bon nombre d'audiences. Au lieu de chercher à la calmer, à mettre fin à sa torture, ses parents ont choisi de lui faire mener un voyage, pour montrer au monde qu'elle est la femme possédée. Mission qui a été bien accomplie. Puisque parmi les spectateurs, il y avait une grande partie des chercheurs qui se sont intéressés à son cas. L'affaire qu'on ne cherchait nullement a étouffé. C'était largement répandu pour atteindre le roi Henri IV. Par conséquent, il a donné pour ordre de trouver une solution radicale et de lui faire subir le premier exorcisme scientifiquement contrôlé. Une expérience sans pareil pour vérifier la véracité de la soi-disant possession démoniaque. Qui s'est emparée de Martha. La séance commença, avec une clé enveloppée de soie rouge. Une eau normale au lieu de l'eau bénite et quelques vers d'un poème en latin. Martha ne s'est pas rendu compte qu'il s'agissait d'un faux exorcisme, une sorte de piège pour mettre à l'épreuve la véracité de ses prétentions. Un piège qui n'avait pas épargné la jeune fille, qui a malheureusement subi encore une fois de l'horreur. Une crise spasmodique comme réaction normale à l'exorcisme. Deux conclusions ont été tirées à partir de cette expérience. Soit Martha était terriblement malade psychiquement et proie à des illusions, soit la famille Brossier était des escrocs et essayait de tirer profit de la situation. Surtout qu'à cette époque, les gens étaient obsédés par la superstition et se sentaient menacés par les forces paranormales. Finalement, la deuxième hypothèse était plus proche de la réalité.
Et si ces crises étaient bien provoquées par une force surhumaine? Et si Martha et ses épisodes n'étaient qu'une pure réaction naturelle à une provocation animée par des acteurs surnaturels? Ce cas est encore sujet de plusieurs débats et restera bien longtemps une affaire non élucidée. Numéro 3, Sobek, le dieu crocodile. On vous a programmé une escale en Égypte rien que pour vous parler du fameux Sobek, le dieu crocodile, le roi crocodile. La créature a plusieurs pouvoirs. Connue comme étant le fils de la déesse aquatique Net, cette créature est une figure qui incarne la force et la fertilité, et dotée du pouvoir de contrôler les dégâts causés par les crocodiles. D'où sa très grande appréciation et sa sacralisation dans le delta du Nil. Sobek était de loin le symbole le plus significatif de la force des pharaons, avec son corps humain et sa tête de crocodile, comme le décrivent plusieurs mythes. Cette créature mystérieuse a réussi à décrocher le poste de chef d'armée égyptienne pour protéger le pharaon et l'ensemble de la population. Le dieu crocodile est un élément incontournable dans la culture du pays des pharaons. Son nom est associé à l'estime, au pouvoir et à la bienveillance, ce qui explique pourquoi plusieurs rois s'inspireront de son nom dans les dynasties à suivre, pour faire référence à la force et au pouvoir. D'autres mythes ne se contentent pas de ces titres, mais ajoutent aussi à cela la naissance du roi Sobek, à l'origine de la création du monde. Étant également le garde-corps et le protecteur du roi Soleil Ra, Sobek est le héros de plusieurs histoires. Ce personnage à l'âme dure, au cœur pur et à la force surhumaine a sauvé plusieurs figures sacrées de la culture égyptienne. Ainsi, cela fait de lui une créature qui a marqué plusieurs légendes, et qui orne plusieurs fresques. Une créature dont la présence est prouvée par les traces qui remplissent les lieux de culte égyptien. Des traces qui ont peut-être été laissées pour nous révéler ne serait-ce qu'une petite partie de l'histoire cachée. Les nombreux indices nous font vraiment douter et réfléchir pour trancher si son existence est fictive ou une réalité un peu exagérée. Et si cette créature au corps d'homme et à la tête de crocodile était bel et bien existante à cette époque, avec une apparence plus logique et une puissance plus humaine. Numéro 4, les rois de Turin. Et si le règne n'était pas exclusif aux mortels? Toujours en Égypte, et là, c'est à présent grâce aux tiges d'une plante africaine transformée en feuilles d'écriture que l'on a découvert l'histoire des célèbres rois de Turin. Le papyrus exposé dans le musée égyptien doit son importance à la liste des rois de Turin, qui est considérée jusqu'à présent comme étant la liste la plus complète et la plus organisée chronologiquement, qui montre la succession des règnes jusqu'à celui de Ramsès II. La valeur de cette liste est incontestable malgré les dommages qu'elle a subis, et cela pour le nombre et la qualité des informations qu'elle offre aux égyptologues. Contrairement aux fausses autres listes de rois, celle-ci est considérée comme étant la plus complexe et la plus fiable, parce qu'elle contient des détails pertinents et très précis, qui nous font nous rapprocher de la version secrète de l'histoire, et cela en déclarant clairement la durée du règne de chaque roi en années, et parfois même en mois et en jours. Les rois et les reines éphémères exclus des autres listes. Le regroupement des rois par lieu, par famille plutôt que par chronologie. Répertoire des noms des dirigeants Hyksos d'Égypte, les dieux et les rois légendaires de l'Égypte. C'est en 1822 que l'explorateur réputé et le diplomate italien Bernardo Drovetti a acheté le papyrus du chanoine royal de Turin. La transportation du document historique, qui a été longuement préservé dans une boîte et réparti en fragments, ce qui a demandé plusieurs efforts en reconstitution étalée sur plusieurs années pour assembler le puzzle. Jusqu'à présent, le document compte plus de 160 fragments et il en manque encore deux parties essentielles, l'introduction et la fin de la liste. Le mystère s'allie à la pertinence pour faire de cette liste-là une de plusieurs articles et recherches. Parce que la partie du canon qui nous fait révéler que des demi-dieux et des esprits morts ont régné physiquement sur l'Égypte ne nous laisse pas indifférents. Notre logique ajoutée à la science sont loin d'être bouleversées par cette révélation, et rejette alors chaque hypothèse affirmant la possibilité de l'existence de ce genre de créature. Encore moins pour régner. Cependant, la correspondance même partielle entre ces chronologies avec les différentes versions de l'histoire et les autres listes nous pousse à se lancer dans d'autres pistes de recherche, pour essayer de trouver une explication plus acceptable par la raison. Numéro 5, les mystérieux chiffres de Béal. Enfant, nous rêvions tous de vivre une histoire issue d'un conte de fées, une histoire à l'eau de rose. Nous rassasions tous notre esprit rêveur des aventures fictives pour sauver une princesse désespérée, ou pour libérer une âme torturée, ou même faire ressortir un trésor enterré. Et si les histoires de trésors étaient bien des mythes inspirés de la réalité? Parce que oui, les archéologues arrivent avec un peu de chance à faire des découvertes assez stupéfiantes. Jonglant entre mythes et réalité, nous n'arrivons toujours pas à trancher si la recherche de la fortune et des trésors cachés va être couronnée par le succès. Le trésor légendaire et mythique nous sert de bon exemple. Sur des papiers codés, on prétend avoir inscrit l'emplacement exact de ce trésor. Il s'agit en effet de trois manuscrits. Le premier précisant la cachette du trésor, le deuxième listant son contenu, et le troisième énumérant les différents bénéficiaires qui ont droit à cette fortune encore introuvable. L'histoire commence en 1820, par le voyage du célèbre Thomas J. Béal, d'où le nom des manuscrits.
les Beal Papers. Ce dernier choisit comme lieu de résidence l'hôtel Washington de la ville de Lynchburg, en Virginie, et arriva à tisser des liens amicaux avec son propriétaire Robert Morris. Après 2 ans, le voyageur revint pour s'installer encore une fois dans le même hôtel. Son départ fut bourré de mystères, puisqu'il confia à Robert un coffre contenant des documents importants, et lui promet de revenir les récupérer plus tard. Peu de temps après le départ de Thomas, son cher ami reçoit une lettre où il mentionne que si au bout de 10 ans, personne ne vient à sa recherche, ce dernier doit ouvrir la boîte, et lui promet de lui envoyer le code Beal pour déchiffrer le contenu des papiers avec un ami. 10 ans se sont écoulés, et ni Thomas ni son prétendu ami qui détient le code ne firent signe de vie. Et pourtant Robert patienta et reporta l'ouverture de la boîte. Ce n'est qu'en 1945 qu'il décida de le faire. Grande fut sa surprise lorsqu'il trouva à côté de 3 papiers codés et chiffrés une lettre rédigée par Thomas, où il raconte son aventure récente avec ses amis. En suivant un troupeau de bisons, ils ont découvert une roche, d'où ils sont parvenus à extraire avec leur matériel de mineur une bonne quantité de matériaux précieux et rares, avant de les transporter en lieu sûr, sans mentionner son emplacement exact dans la lettre, où il racontait son expédition et sa découverte. Maurice confia le secret à son ami cryptographe, qui ne tarda pas à découvrir qu'il s'agissait d'un langage codé, basé sur un livre code, où chaque chiffre représente une lettre, comme suite logique. Il décida de consulter les livres les plus courants, Bible, dictionnaire, aussi complexes qu'épuisants. Ce dernier ne baissa pas les bras et arriva à reproduire un miracle, en trouvant une correspondance entre le 2e papier et la déclaration d'indépendance des États-Unis. Il parvint enfin à constituer un texte cohérent et donner un sens au manuscrit, où figurait une description détaillée du trésor en question. Jusqu'à présent, personne n'est arrivé à faire de même pour les 2 autres manuscrits restants. Cela nous fait perdre la tête en ignorant la version réelle de l'histoire. Le trésor de Beal est-il le fruit d'une grande imagination? Une fortune récupérée par ses propriétaires ou secrètement par une tierce personne? Ou est-il encore une richesse enfouie dans une cachette inconnue, qui attend toujours à être découverte par les archéologues et les cryptographes? Numéro 6, l'homme au masque de fer, d'un prince héritier à un misérable condamné. Le cas nous fait penser au titre d'un film, parce qu'il ne faut certainement pas être un grand fan du cinéma pour penser ainsi. L'histoire derrière ce mystère ne va sûrement pas vous décevoir, car elle est tellement mystérieuse qu'elle mérite un Oscar. En 1680, les rumeurs sur l'existence d'un fameux prisonnier au masque de fer commencent à faire écho. Sur l'ordre de Louis XIV, un homme inconnu a été incarcéré, dans de mystérieuses conditions, et a été contraint à porter un masque de fer pour laisser son visage à l'abri des regards. Les ennemis de Louis XIV n'ont pas hésité à tirer profit de la situation suspecte, pour dénigrer l'image du roi. Et ceci en donnant une panoplie d'identités à cet homme, qui ne possède aucune jusqu'à présent. Toutes les théories convergent vers la théorie du complot, et assument qu'il s'agit d'un enlèvement, et d'un emprisonnement de quelques personnages qui peuvent faire obstacle devant le pouvoir du roi soleil. Plusieurs hypothèses soupçonnaient qu'il s'agissait bien du frère du roi, qui menaçait sa légitimité et représentait un fort concurrent, qui risquait de lui arracher le trône. Entre des personnalités modestes et d'autres nobles, l'histoire de l'homme masqué reste encore un mystère non résolu. L'histoire est bien chaotière et nous réserve encore plusieurs surprises, qui risquent de nous faire perdre confiance en ce que nos ancêtres nous ont appris, et en ce que les livres nous ont raconté. Parce que l'histoire est toujours ce récit écrit par les plus forts. Les personnes qui manquent en puissance ont bien quelque chose à nous dire. Si jamais on arrive à les sauver, de ces mains qui étouffent leur voix. Si vous avez aimé celle-ci, on vous donne rendez-vous prochainement.